Hey, salut tout le monde, ici Funky Fween, et nous revoilà sur Hotline Miami 2, The Wrong Number, et donc dans le Level Editors, qui est sorti il y a quelques temps. Alors je sais que je suis un peu en retard sur le truc, hein, mais j'ai pas eu trop le temps de vous le montrer, ça fait quelques temps que je vous enregistrais ce niveau, en vérité. Je vais vous montrer un petit niveau que j'ai fait. Et voilà, il y aura de quoi le jouer dans la description si ça vous intéresse, tout ça. Moi, je voulais vous le montrer en vidéo, je me suis dit que ça serait une bonne idée. Comme ça, je peux vous montrer différents chemins, différents machins. Alors, je prends un canard, moi. Et donc, nous voilà dans le niveau. Commençons donc. On va voir déjà comment ça se passe par là. Déjà, je fais de la merde. Mais comme vous pouvez le voir, enfin, comme je vais vous le montrer, il y a différents moyens de rentrer dans la maison. Enfin, dans le bâtiment. Il y a celui-là, par exemple. Celui-là, bien entendu. Ainsi que celui-là. Bien sûr, là, je me suis fait voir la fenêtre, c'était une mauvaise idée. Mais je vous garantis que toutes les méthodes sont faisables. À vous de choisir laquelle tente, là. Moi, ce qui me tente, c'est ça. Le défense. De la merde. Pardonnez-moi. De faire mieux. Yep. Ils ont l'air me laisser tranquille. Oh fuck. C'est bon. C'est bon, on est bon. Tiens la distance. Merde, le chien. Le chien. Mais donc, oui. Pour ceux qui auraient toujours pas bien compris, donc c'est un niveau que j'ai moi-même créé. C'est moi-même qui ai fait les pièges, les coups tordus, les machins, qui ai placé les persos, qui ai fait les décors, tout ça, quoi. Et justement, j'ai fait la suite de ce que j'avais commencé, on va dire, dans le live où j'avais déjà enregistré tout ça. Merde. Un autre qui débarque, hein, non ? J'ai peut-être eu une hallucination visuelle. Oh, le chien! C'est bon, je l'ai eu l'autre. Bon, on est toujours en vie. Pour l'instant. Et donc, tout ça, c'est moi qui l'ai placé sur la map. Hein. J'ai juste à le préciser pour ceux qui auraient toujours pas bien compris pourquoi je monte ce niveau. Et donc voilà, je vous invite à essayer d'essayer, à le noter, si ça vous intéresse, tout ça, quoi. Moi, ça me fera plaisir. Et wesh. Donc là, normalement, on est plutôt bien placé. On a notre couteau. Ah bah non, il tire dans le mur, ce con. Là, t'es bien placé. Ouais. Bon, le canard, j'avoue que c'est sûrement le plus simple avec lui. Avec Tony, c'est assez tendu, mais du coup, le deuxième étage, est, vous allez le voir, est génial. Et sinon, avec Marc, avec l'ours, je vous conseille juste de pas aller au deuxième étage sans armes. Quoi. C'est tout ce que je conseillerais. Et donc, c'est parti. Wow. Et donc, c'est ça, cette... D'où un peu le nom du niveau, Catharsis, tout ça, hein, mais... Voilà un peu ce gros massacre du deuxième étage. Vous pouvez faire tout le monde au corps à corps. Oups. Ah bah merde. Et j'ai foutu des fusils, enfin, maintenant, un peu partout, pour ceux qui voudraient le faire au fusil. Donc vous pouvez choisir la méthode qui vous plaît. Sachant que moi, je peux tirer avec le canard en même temps. En fait, hein. Avec le canard, le cygne, pardon, mais... J'appellerai le canard. Oh, cette boucherie, là, qu'on vient de faire. J'arrête pas de me faire avoir parce qu'il faut faire un espèce de mouvement d'aller d'avant en arrière. Je sais pas pourquoi, moi je trouve ça m'aide à timer les coups dans Hotline Miami. Et dès que je rate ça, je me fais avoir quoi. Faudrait chercher une arme pour mon pote le cygne. Là on est un peu keblo. Allez, prends l'arme. Prends l'arme. Ouais, il a fait de la merde. Lui il est bugué, mais il se débloque. Voilà. Je
sais pas pourquoi il était bugué, mais il était bugué. Bon, j'ai pas bien fait les combos là. Je vous garantis que vous pouvez faire toute la salle en combo. Ah merde. Je l'ai fait. Je l'ai fait avec Tony, il me semble même. Et bon Dieu, parce que ça fait pleuvoir les points. Donc je sais que j'ai mis les points du niveau très très haut. Et parce que je considère toujours que le score que je fais moi, quelqu'un peut faire. Mais donc, j'espère que vous avez remarqué le décor quand même. C'est plus de voix pour vous faire plaisir que j'ai fait ça. Donc j'espère que ça vous fait triper. Et je sais pas où est passé le dernier qui s'était perdu, voilà. Voilà, je vous les montre tous bien, hein. Bien que Mr. Bunny, on ne le voit plus très bien. Et donc voilà. Ce sera une vidéo très très courte, j'en conviens, hein, mais... Voilà donc mon niveau sur Hotline Miami 2. Wrong number, le niveau Catharsis, et donc vous pouvez le trouver, je suppose, soit en tapant Catharsis sur le Steam Workshop. Et sinon, vous pouvez aller... sinon, il y aura un lien dans la description, tout simplement. Je mettrai un lien dans la description pour ceux qui ont envie de le tester, de le télécharger. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ce niveau vous a plu, si vous trouvez ça cool. Peut-être j'en ferai plus, hein, si je vois que ça vous intéresse. Enfin voilà, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, ainsi qu'à partager cette vidéo autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager le niveau aussi, hein, si vous l'essayez. Ainsi qu'à l'essayer un coup, bien sûr. Et moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Et je vois que mon truc pour les points n'a pas marché. Fait chier! Et ciao tout le monde!